Aujourd'hui, vous avez droit à 3 images de moi pour vous expliquer exactement la même chose. Et oui, t'as vu ça? C'est un grand classique. Bref, dans cette toute nouvelle vidéo qui est en feed avec La Queen Shaper et Janice Gaby, vous allez découvrir une perspective très étonnante sur ce qu'on peut appeler par le pire ennemi de l'homme, à savoir la misère. Je vous dis ça parce que je galère, mais je galère de ouf quoi. Bref, dans cette même vidéo, vous allez découvrir trois types de misère, à savoir la misère financière, la misère intellectuelle et la misère émotionnelle. Et tout ça dans une même vidéo. Waouh, vous avez de la chance. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Thank you.
type de misère à travers ce tout petit texte. Mais qu'en est-il de la misère en elle-même? En vrai, la misère en elle-même peut se traduire comme étant le fait, un manque, comme étant le fait de ne rien avoir, ou plutôt lorsqu'il s'agit de traiter quelqu'un de misérable, le fait de ne rien valoir. Mais vous savez quoi? Tout ce que l'on croit penser, en fait, toutes les choses que l'on pense au sujet de la misère sont un peu surfaites. Car au fond, aucune misère n'est éternelle. Et ça, je veux le prouver à travers ces trois petits exemples que l'on vient de citer, à travers la misère financière, la misère intellectuelle et la misère émotionnelle. Concernant la misère financière, il y a une citation qui dit ceci. Si tu nais pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais par contre, si tu meurs pauvre, ça c'est la tienne. Ah ouais, cette phrase elle fait vraiment réfléchir, hein? Ça c'est clair. Alors, concernant la misère intellectuelle, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la véritable intelligence réside dans la créativité et non dans la connaissance. Alors, de fait, de savoir mémoriser les trucs ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ça veut tout simplement dire qu'on a une bonne mémoire. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que traiter quelqu'un d'idiot n'est pas spécialement vrai, parce que nous avons tous été dotés d'une intelligence en venant d'ici. Mais disons que l'idiotie est une sorte d'événement et non une personne en vrai. Parce qu'au fond, on peut dire ou faire quelque chose d'idiot. Mais par contre, on ne peut pas être fixe dans l'idiotie. Ça, par contre, c'est juste impossible. Concernant la misère émotionnelle, les amis, on peut dire que le texte a déjà tout dit. Et pour ça, les amis, on peut très bien remercier la Queen Shepherd et Janice Gabi, parce qu'elles ont vraiment fait du bon travail. J'ai presque plus rien à ajouter, parce que ce qu'elles ont dit à ce propos était tellement parfait, tellement magnifique et tellement précis que on comprend tout de suite du truc. Et donc, franchement, je vous remercie, les filles. Vous avez vraiment fait du bon travail. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis bien joué. C'était vraiment formidable et je vous remercie pour ça. Pour résumer tout ça, les amis, ce que l'on peut dire, c'est que si la vie est ce qu'on fait nos pensées, ça veut dire que toutes nos misères sont aussi le résultat de nos pensées négatives. Il faut savoir que dans la vie, il n'existe que des situations neutres. Et notre interprétation de la situation est justement la situation. Alors, on peut choisir d'avoir un mental positif sur ce qui nous arrive pour transformer ce que l'on juge être une misère pour nous en l'opportunité de notre vie. Et donc, en parallèle, la misère est tout simplement une interprétation de ce que nous ne savons pas faire ou de ce que nous ne voulons pas faire pour que ça change. Et donc du coup, moi je vais tout de suite commencer à me mettre au travail pour changer en fait mes problèmes d'argent. Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus et bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Instagram les amis, je mettrai les liens dans la description, tout se passe là-bas. Je mettrai même aussi le lien dans la description, le lien Instagram en description de la Queen Shepherd de Jens Gabi. Si bien sûr elle a un compte WhatsApp, Instagram. Bref, j'imagine que oui. Et donc, quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais du travail.